Cette neuvième journée débute par une escale à Harstad. Cette nuit, le Mindatsoul a relâché dans le port de Finnsnes. Harstad, ville de 23 000 habitants, connut son expansion durant la ruée vers le Haran à la fin du 19e siècle. Nous commençons notre route vers les îles Vesterålen. Notre prochain port d'escale est Risøyen. Pour ce faire, le Mindatsoul est obligé d'emprunter un chenal balisé, le Risøyrenna. Long de 4,5 km et dragué à 7 mètres, il a été inauguré en 1922. Il permet aux navires de ne pas avoir à faire le tour de l'île d'Andøya. Tandis que les mouvements de fret s'effectuent à terre, les postes d'observation du Mindatsoul font le plein. Lors des escales courtes, où les passagers n'ont pas le temps de descendre à terre, ces derniers profitent à leur manière de l'escale. Mais déjà les portes se ferment alors que le bateau est en train de s'éloigner du quai. Poursuivons notre route vers Sortland, la ville principale des îles Vesterålen. Un nouveau pont se dresse devant nous. Long de 961 mètres, il relie l'île de Inøya à la ville de Sortland. Un timing parfait permet au Mindatsoul de passer sous le pont au moment où les bus des excursionnistes que nous avions laissés à Harstad passent au-dessus. Tout cela dans un concert de sirènes et de klaxons. Sur le quai, les passagers des bus attendent l'accostage. Il est l'heure pour eux de prendre leur déjeuner. Deux excursions étaient prévues au programme aujourd'hui. Une consacrée à la visite des Vesterålen, celle de ce matin, et l'autre à la visite des Lofoten que nous ferons ce soir. Autre port important, Stokmarknes est la ville natale de l'express côtier. Le Finnmarken, ancien bateau de la ligne, y a été reconverti en musée Hurtigruten. Cap vers le sud-est, droit sur une imposante paroi rocheuse qui semble nous barrer la route. Au milieu des petits îlots se dessine un étroit passage. Il s'agit du Raftsundet, un détroit long de 20 km qui sépare les Lofoten des Vesterålen. Le verre qui tapisse ses parois est presque irréel. Des habitations parsèment la côte, tels des petits cailloux laissés pour marquer un chemin. Ici, certains sommets culminent à près de 1000 mètres.
L'entrée du Trollfjord commence à apparaître derrière les îles. La manœuvre au fond du fjord est toujours aussi impressionnante. Pas de troll cette fois-ci, il doit être trop tôt. Malgré la fraîcheur ambiante, les jacuzzis sont constamment occupés. Nous quittons le Trollfjord pour reprendre la fin du Raftsundet, direction Svolvær. Le ciel n'a pas l'air de vouloir s'éclaircir. Espérons que cela ne gâchera pas l'excursion. Peine perdue, le temps est gris et pluvieux. Le bus quitte Svolvær, direction Stamsund, où nous retrouverons le Midnattssol. À quelques kilomètres au sud de Svolvær se trouve la curiosité locale, la cathédrale des Lofoten. Située à Kabelvåg, port de 2000 habitants, elle peut accueillir 1200 personnes. Look at the color of the water. It's because of the bottom is white sand. Sur le bord de la route, des séchoirs à morue marquent l'entrée de Henningsvær, l'un des ports les plus connus des Lofoten. Ici, la spécialité locale est le stockfish, la morue séchée au soleil et sous la neige de Norvège. L'odeur du poisson est omniprésente. Une fois séché, il est entreposé dans des maisons de stockage telles que celle-ci. Nous quittons l'île d'Ostvegøya pour celle de Vestvegøya où se trouve Stamsund. Nous traversons le village de Borg sans nous arrêter car nous sommes un peu en retard. On y trouve une maison de chef viking reconvertie en musée. Il est 22h lorsque le bus arrive à Stamsund. Le Midnattssol n'attend plus que nous pour appareiller.